Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de pot-au-feu au cookéo. Donc, c'est une recette facile, un peu longue, c'est vrai, parce qu'il faut quand même le temps de la cuisson, mais beaucoup moins longue qu'à la cocotte classique. Donc, en fait, je dis petit pot-au-feu parce que comme nous ne sommes que deux ce midi, je vais pas en faire pour en manger pendant 6 mois. Donc, nous allons passer à la recette. Je commence par mettre 2 litres d'eau dans mon cookéo. Je mets un jarret, enfin un morceau de jarret. Je mets un poireau. Pour l'instant, je le mets comme ça, mais après, avec la cuisson, il va se détendre et ça ira beaucoup mieux. Alors, j'en mets qu'un parce que c'est un gros. Je mets quelques carottes, un peu de céleri branche et un demi-navet. Je mets 2 cuillères à café de sel. Je goûterai après pour voir si c'est bon ou s'il faut en rajouter. Et quelques tours de moulin à poivre. Alors pour l'instant, je ne mets que quelques légumes. Parce que quand vous faites un pot-au-feu, la viande étant longue à cuire, les légumes seraient trop cuits à la fin. Donc j'en mets quelques-uns pour donner du goût et je mettrai mes légumes un peu plus tard. Donc là, je vais fermer le couvercle du cookéo. Je vais mettre cuisson sous pression, OK. Et je vais mettre 30 minutes. Dans 30 minutes, j'ouvrirai et j'ajouterai le reste des légumes. Donc, je vais le mettre à cuire et je vous retrouve après. Le cookéo a sonné. Je vais l'ouvrir, regarder à l'intérieur et mettre la suite de mes légumes. Je rajoute quelques carottes, le reste de mon navet, un peu de céleri branche. Je vais remettre une cuillère à café de sel parce que je trouve que ça manque. Remuer un peu. J'ajoute une pomme de terre par personne. Je vais refermer et remettre à cuire pendant 20 minutes. Et le cookéo a sonné, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, la viande est bien cuite, les légumes sont bien fondants. On va bien se régaler ce midi. Et donc, ben, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir.